vous remercie. La parole est à monsieur Charles Alloncle pour le groupe UDR. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans l'indifférence générale, notre pays a vécu un véritable coup d'État numérique. Cet été, le géant américain Meta a procédé sur Instagram à une vague inédite de suppression de comptes d'information. Du média Occidentis, suivi par 160 000 personnes, au compte écologiste Écolucide, en passant par la féministe Alice Cordier, tous ont vu leurs comptes supprimés en une journée, sans aucune explication. Leur seul tort, à l'évidence, dire le réel et défendre la France. Et pourtant, ici, au pays des Lumières, de Voltaire et de Charlie, cette atteinte à la liberté d'expression n'a ému personne. Ni l'ARCOM, trop occupé à placer C8 et CNews sous la tutelle des prétoires. Ni vous, élus de gauche et censeurs professionnels, qui ne montaient plus sur la barricade que pour défendre des propos antisémites. Ni vous, élus et gouvernement macroniste, complices par votre silence assourdissant. Où étiez-vous pour sommer Meta de rendre des comptes sur ses ingérences? Où étiez-vous pour défendre l'islamologue Gilles Kepel, évincé de Sciences Po pour dissidence? Où étiez-vous enfin pour dénoncer l'interdiction du Rassemblement National de l'émission Quotidien et le boycott publicitaire de Jordan Bardella? À tous les censeurs, sachez qu'une idée n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle ne peut être défendue. Chaque fois que vous tenterez de chasser le réel par la porte, il reviendra encore plus brutalement par la fenêtre. Alors, monsieur le Premier ministre, quand vous lèverez-vous enfin pour défendre la liberté d'expression? Les Français, eux, n'ont pas dit leur dernier mot, alors rendez-leur la parole. Je vous remercie. La parole est à madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Alloncle. Alors j'ai pas bien compris la question, pour tout vous dire, parce que si c'est de dire d'éviter les fake news, bah on est contre les fake news. Voilà. Après, si c'est de dire la liberté d'expression, c'est de tenir des propos qui sont qualifiables pénalement, ben je lutterai contre les propos qui sont qualifiables pénalement. Si la liberté d'expression, c'est de dire le contraire de la vérité, de la réalité qui conduit à la stigmatisation d'une partie de nos compatriotes, je lutterai contre cela. Voilà, elle est là la réalité. Après, sur, vous avez parlé de CNews et de certains médias ou de C8. Vous avez fait allusion à l'ARCOM. Je vous rappelle simplement que l'ARCOM est une autorité indépendante qui attribue des fréquences selon des critères et une procédure définie par le législateur. Donc en toute indépendance, soit elle renouvelle, soit elle attribue, soit elle ne renouvelle pas des fréquences. Alors s'agissant des médias que vous avez indiqués, il y a des recours, que ce soit C8, Énergie 12 ou le média, qui s'appelle le média d'ailleurs. Ils ont tous fait des recours. D'ailleurs, les recours seront examinés le 15 novembre, justement pour la liberté d'expression et le respect de l'état de droit. Attendons l'issue de ces recours. Merci madame la ministre. La parole est à monsieur Joseph Rivet.